Bien, nous sommes jeudi 4 juillet. J'ai rendez-vous avec Sébastien Chabert, donc, qui remplace ce soir au pied levé un de ses élèves de l'atelier du 8 pour jouer donc dans Où est Michel, ou il m'a semblé que c'était de la dinde, je ne sais plus, je ne me souviens plus très bien du titre, quelque chose comme ça. Et pas de Sébastien Chabert à l'horizon, hein. On avait rendez-vous à 16h, là il est déjà 16h03. Où peut-il bien être? Bon, on va l'attendre, hein, on va l'attendre et puis on va voir. Bon, toujours pas de Sébastien Chabert en vue. Là il est quand même 17h37. Ah, Sébastien Chabert. Oui. Bonjour. C'est, on avait dit 16h, je crois, pour le. 16h. Pour le. Ouais, c'est 16h, c'est bon, hein. Ouais. Bah, en fait, il est 17h37, en fait. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, On fait là. Ah, ben, on va faire l'interview dedans, je pense. Je pense que. On va te rentrer, hein. Tu viens? Ouais, bon, ouais, allez. On va filmer la cave et puis on y va. Ok, parce qu'en fait, okay. Moi j'ai. Après, j'ai. Installe-toi, faut... installe-toi, hein. D'accord, ah oui, okay. Bon, on va faire comme ça alors. Vas-y, ok. Vas-y. On va te prendre des sucres. Non, moi, pas besoin de sucre. Comme je vous disais, Sébastien Chabert, j'ai un rendez-vous après, donc il faudra. Ok. Ouais, non, mais là c'est très bien, ouais. Okay. Bah, voilà. Dis-moi tout. Alors, Sébastien Chabert, donc, merci de vous prêter au jeu de l'interview, hein, pour dans la téléspectateur. Vous êtes donc le metteur en scène de cette pièce, hein, dont on rappelle le titre Où est Michel, ou pardon, j'ai cru que c'était de la volaille. Que vous reprenez ce soir à l'atelier du 8. Ouais. Alors, d'après mes sources, donc, vous remplacez Fabrice Jonas, donc, qui a glissé sur une peau de banane il y a 3 jours et donc qui a du mal à s'en remettre. Hein. Ouais, ça c'était un peu la couille, quoi. C'était un peu la couille. Ouais, la couille, comme vous dites. Ça a l'air que la peau de banane, je lui ai bon, elle était là. Personne ne l'a vu venir, bon il est tombé, il s'est fait mal et puis voilà quoi. Donc du coup je le remplace. Ouais, ouais. Enfin non mais en tout cas c'était accidentel quoi. Parce que, c'est du coup, enfin on dit toujours à toute chose malheur est bon et là. Malheur est bon parce que tu vois du coup je peux effectivement prendre ta place. Si vous pouvez, vous voyez peut-être ce serait. Pardon ? Mais vous voyez peut-être. Ah excusez-moi. Donc tu vois je. En fait c'est qu'une anecdote, hein, cette histoire de peu banale. De toute façon le principal c'est que vous jouiez ce soir. Exactement, c'est ça le principal. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre formation, parce que justement metteur en scène ça c'est une de vos casquettes. Ouais. Vous êtes comédien de conservatoire à la base. Comédien Voilà, donc là on voit Sébastien Chabert en train de s'échauffer déjà, puisque c'est toute une technique, ouais. L'entraînement. Avec des profs de conservatoire, donc avec des diplômes de avec un diplôme à la clé, ouais. Avec un diplôme de DOT, prof de... Un DOT, ça s'appelle un DOT, un diplôme d'études théâtrales, donc ça j'ai eu ça avec mention spéciale du jury. Mention spéciale du jury. Ça prévoit, ça laisse augurer d'un super spectacle, ouais, pour ce soir. Ah ben ce soir, ouais, je pense que là ce soir ça va être... Ça va être de la balle quand même. Ouais, ça va être bon. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, ok? Tu prends tes affaires et tu sors d'ici. Oui, mais en fait, je n'ai pas fait exprès. Si, tu l'as fait exprès. Non, je t'assure que je suis innocent. Tais-toi. Bon, d'accord. Je suis mécontent de toi. Ça c'est l'entraînement. Ça, on voit tout l'entraînement, toute la concentration qui est demandée pour l'échauffement du métier d'artiste. Ouais. Excuse-moi, je reviens. Ouais, ok. Alors là, Sébastien Chabert se concentre sur le texte qu'il va apprendre. Ça, c'est des moments de pression auxquels on peut assister. Je ne sais pas. La concentration, hein, c'est beau de voir quelqu'un qui est complètement dédié à son art. Et puis qui... n'a pas peur de... Je ne comprends...
Alors, il n'y avait pas coupé son portable apparemment. Ouais, mais je te rappelle tout à l'heure. Okay. Bah, c'est quand même très sympa justement de la part d'un expert comme vous de, ouais, de jouer donc avec une équipe de débutants, on peut le dire, ouais, ouais, sans vouloir être désobligeant, ouais, hautain, non, non, milieu, parce après, que après, faut pas non plus, enfin, je veux dire, les personnes. Voilà, c'est le public là. On va dire inexpérimenté, ouais, parce que le talent et l'envie sont là, je crois. Oui, tout à fait, ouais, ils sont très motivés. Sauf peut-être pour Fabrice, justement. Avec leurs propres moyens. Donc c'est vrai que c'est assez agréable. Avec leurs moyens, d'accord. Alors justement, on parlait tout à l'heure donc de l'atelier débutant. Mm-hmm. Je crois que vous faites aussi donc un atelier trisomique donc avec l'atelier du 8. Ouais, on va pas dire c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est un débutant, pas non plus. Non mais on va le couper au montage parce qu'à la rigueur c'est non, pas. Non, parce que là c'est un peu embarrassant. C'était du mal. Non, mais enfin, faut pas dire ça. D'accord. Ces gens-là, c'est des gens qui font ça avec leurs moyens. Ouais, non, mais c'était une façon de parler. Non, non, mais bon. Hein, c'est quand même. Enfin, c'est tout à fait. Enfin, faut pas non plus. Voilà. Enfin, d'accord. Ça va. D'accord, d'accord. Sébastien Chabert, dernière séquence peut-être. On va terminer avec une question. Voilà, bon, j'ai un petit peu du mal à la poser, mais je vais quand même me lancer. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce raout, enfin tous ces ragots qu'on peut entendre sur votre réputation assez sulfureuse C'est-à-dire le fait que vous auriez tourné dans des films. Dans des pornos gays. Ouais, bon, je veux dire, à ce moment-là, j'avais besoin de manger. Je crache pas dessus, hein. Je crache pas dessus, attention. Hein. Je veux dire, à ce moment-là, j'avais besoin de manger. J'y suis allé. Je connaissais pas. Bon, ça m'a permis de. Tout expérience. J'ai gagné ma vie comme ça. Ouais, enfin, en fait, toute expérience est enrichissante. Exactement. Et puis, il n'y a pas de sommetier, comme on dit. Ah non, je veux dire. C'est louable, enfin, je veux dire. Ouais, de votre part, ouais. Ouais, de vous ouvrir comme ça, vous ouvrir complètement. Ouais, ouais, ouais. Bon, d'accord. Bon, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus, je crois. Non, non, parce que on est pas. C'est passé maintenant. Ouais, non, et puis je sais pas pourquoi vous ressortez ces trucs-là, surtout que. C'est vrai que une apparition de 10 minutes, une scène. Oui, enfin, dans plusieurs films quand même, c'était cette apparition. Ouais, c'était la même journée, quoi. Ça devait être évident, journée. De toute façon, on va laisser ces choses-là à la presse de gouttière, comme on dit. Tu vas le dégager, ça. Ouais, bon. Non, mais tout ça, tu vois. Oui. Ok. Ouais.